Eh bien bonjour à tous, c'est The Pharaon, on se trouve pour épisode 36 de notre carte, suivi sur la Belgique profonde. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va simplement aller chercher des cochons, voilà. Donc, enfin, on va pas seulement les chercher, on va s'en occuper aussi en termes général. Donc, hop, les. Donc, ce qu'on va faire avant tout, c'est déjà, on va avancer un petit peu le camion pour pouvoir refermer le portail, tout simplement. Voilà. Oula, j'ai tapé mon micro. Je vais juste le remonter du coup. Oula. Désolé si vous avez, oula, un entendu. Si vous avez entendu un bruit un petit peu dégueulasse. Enfin bref. Voilà. Du coup, là, pour l'instant, je crois que j'ai 63 cochons, de mémoire, je sais même plus. Je crois avoir 63 cochons, putain, il faut que je m'occupe des vaches, aussi, un de ces quatre, et des poules, et tout ça. 63 cochons, d'accord, 63 cochons, donc ce que je vais faire... Bah oui, je suis con, parce que c'est 3 fois 21, moi, du coup, ouais, donc, normal que ce soit 63. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher encore un petit camion, voilà, on va encore en chercher une vingtaine, encore 21, en gros. Comme ça, bah, on va être plutôt pas mal pour les cochons, voilà. À la base je voulais en faire 100 des cochons, mais après je me suis dit calmos, hein, calmos, on va pas y aller trop, hein, on va pas y aller trop violemment dès le départ. 84 c'est déjà beaucoup, hein, voilà, c'est encore plus, j'aurais plus de cochons que de vaches quand même, c'est un truc de ouf, enfin bref. Enfin tu vas me dire c'est un petit peu logique parce que les cochons tu vends pour, enfin tu t'en as pour les revendre derrière quoi, alors que les vaches normalement t'en as pour simplement pour le lait, enfin principalement, enfin bref. Donc sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi tout va bien. Waouh, waouh, waouh. Oh putain, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. J'ai ripé, chef. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on va également s'occuper des cochons, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'avais enfin décidé de faire des betteraves, n'importe quoi. Des cochons. Donc j'ai récolté tout ce qu'il y avait à récolter. Hein, donc les betteraves et le soja. Et j'ai également fauché l'herbe et fait de l'enrubanage. J'ai tout vendu. J'ai vendu aux alentours des... Oula. 60-70 tonnes de soja. Ce qui m'a fait aux alentours des 210 000 ou une connerie du genre. 210 000 euros, ce qui est très très raisonnable. C'est bon, ça passe. Ça passe. Du coup, je trouve ça très très raisonnable. Mais vas-y. Yep. Voilà. Donc bien évidemment, on va prendre toujours les mêmes cochons. Hein, parce que j'aime pas trop les autres cochons. J'aime bien les roses comme ça. Tu vois, genre les classiques, j'ai envie de te dire. Mais voilà. 31 500 euros, c'est dans la boîte. Les cochons sont à l'arrière. Enfin bref. Du coup, j'ai vendu un petit peu de soja, hein, comme j'avais dit. J'ai vendu tout ce qui est ballon rubané, hein, du coup. Tout ce qui est ballon rubané. J'ai vendu de la laine, mais ça m'a pas rapporté grand chose. Ça m'a rapporté quoi, 30 000, 35 000. Bon, ça c'est pas, hein, c'est pas un truc de ouf. Ça se trouve un petit peu plus, mais pas incroyablement beaucoup non plus. Et j'ai vendu les œufs qui m'ont rapporté 12 000 euros. Pour des œufs, c'est très raisonnable. Et puis, c'est tout. Et puis, du coup, avec cet argent-là, je me suis acheté la remorque que vous voyez au cul. Putain, les cochons, ils vont arriver. Ça va être... J'allais dire un truc, mais c'est un petit peu dégueulasse. J'allais dire, c'est genre du jambon, c'est des saucissons, etc. Bref, ils sont prêts à aller sur le barbecue une fois arrivés à la ferme. Bah, tu vas me dire, quand tu roules à 90, oh putain, oh putain, oh putain. J'ai cru que j'avais perdu le contrôle, oulala. Tu m'étonnes, quand tu arrives à 90 km/h ta ferme, voilà quoi. On va ralentir un petit peu quand même. Voilà, du coup ça... J'essaie de faire ça un petit peu vite parce que c'est pas le truc le plus intéressant de la vidéo, on va dire. Oh putain, les arbres ils m'énervent. Les arbres, je vous dis, hein, tôt ou tard je vais les abattre ces arbres. Wow. Putain, je m'y prends comme un pied. Ok, vas-y, recule. Yep. Voilà. C'est surtout cet arbre là là qui est en face, là, celui, le gros peuplier là devant qui m'énerve, un truc de ouf. C'est vraiment l'arbre qui me dérange le plus, enfin bref. J'arrive à rentrer dedans donc avec le camion, donc ça passe, hein, on va dire que c'est rien de grave. Alors, on va ouvrir la petite barrière, on va espérer que les cochons ils ne s'en aillent pas, lol MDR rigole STP. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça parce que moi-même je ne sais pas. Putain, j'allais faire un truc trop stylé, puis c'est vraiment la toute fin que j'allais me rater, bien sûr. Mais voilà, ça va nous faire 84 vaches. Vaches, n'importe quoi, 84 cochons. Et voilà, donc on est bon en termes de cochons, hein, maintenant, appelez. Il me reste plus qu'à les nourrir, et puis, c'est ce qu'on va faire, du coup, dans cette vidéo-là. Hein. Mais t'as envie de te dire que c'est logique. Appelez, vas-y. Du coup, là, on va passer par la droite, parce que par la gauche, ça va être un peu chaud pour rentrer là-bas. Vas-y, tourne.
Et ces arbres, ils me saoulent. Enfin bref. Du coup, également la remorque. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Mais la remorque, je l'ai achetée. Voilà, donc j'ai pas pris la toute grosse parce que je me suis dit. Alors déjà que là, enfin. On va pas se le cacher déjà qu'avec cette remorque là c'est un petit peu galère pour y aller en marche arrière. Mais alors avec la toute grosse remorque, je vous laisse vous imaginer à quel point ça doit être la misère. J'ai même pas envie de savoir hein, parce que là, déjà que celle-là je galère. Alors du coup toi, très mal foutu ça. Alors bon, ça va pas être réaliste du tout ce que je vais faire. Mais, ça va pas être réaliste du tout, mais pas le choix, j'ai envie de te dire. Voilà, au moins ça sera fait. Du coup, au moins là on aura de la place pour la remorque. Et du coup j'ai pas voulu prendre la toute grosse parce que déjà que je galère avec celle-là, mais alors avec la toute grosse, non merci. Sachant que c'est juste pour 15 cochons de plus. Donc j'aurais fait, ouais, de toute façon dans tous les cas j'aurais fait des. Au moins 3 trajets. Ok, d'accord. Protection nickel. Ça fait plaisir. Bah, de toute façon que j'ai pas. Donc grand les amis, désolé pour cette coupure qui, mine de rien, a duré plus de 2 heures. Voilà, donc il y a eu une énorme coupure. Tout simplement parce que bah, j'ai eu un petit imprévu, voilà. Bah, comme d'habitude, hein, très clairement. Et puis ça commence un petit peu à me saouler, à vrai dire. Alors du coup, on va essayer de recaler ça un petit peu plus droit. Ouais, hop, allez, hop, c'est quoi? Va te faire foutre. Donc voilà, donc j'allais dire on a fini avec le camion, mais pas du tout parce qu'il faut encore donner de la flotte. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup on va les donner de la flotte tranquillement. Allez, vas-y, petite marche arrière. Appelez. Ta merde alors. Oh bah tu m'étonnes vu comment je suis calé. Ah non c'est bon. Et je parle pas du nord, hein. Nord pas de Calais. Hein. LOL. MDR, voilà. Rien à rajouter. Oh putain, fais gaffe. Donc voilà. Donc du coup, reprise. Hein, reprise après 2 heures, ça fait un peu bizarre parce que du coup, je ne sais plus du tout de quoi j'étais en train de parler. Et cette fois-ci, c'est justifié. Allez, tu sais quoi, on va pomper chez les moutons. Oh putain. C'est chier. Pardon. Du coup, ouais, je sais plus du tout de quoi j'étais en train de parler. Et pour une fois, merde. Pour une fois, c'est justifié. Putain, l'arbre, fais attention, Michel. Non, c'est pas cette touche-là. Bah merde alors. Tu peux pas remplir? Ou tu veux que je me mette carrément dedans? Ah ouais, donc il veut vraiment que je me foute dans la flotte. Enfin bref. Du coup, toi, tu vas te remplir tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Parce que du coup, j'ai même pas vérifié ce qu'il faut. Alors, les cochons, on a 84, il faut le maïs, blé, orge, soja, soja. Soja, c'est un mix entre du soja et du colza. Soja. Soja, colza, tournesol, patate, betterave. Ok, donc, et de l'eau, bien évidemment. Ok, donc, on va principalement avoir besoin de la benne. Donc, j'ai pas envie de prendre le Renault, enfin le Renault, le Fendt, on va prendre le petit John Deere, voilà. Enfin, le petit, c'est quand même un beau bébé, on va pas se le cacher. Du coup, on va seulement utiliser la benne, tout simplement, parce que du coup, bah, tout ce qui est grain, je le donne à la benne. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de beaucoup ou non, je sais pas. Voilà, si je vais en avoir besoin de beaucoup, bon bah on va garder la grosse benne à Josquin. Puis sinon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une petite benne, pardon, avec un petit tracteur qui va seulement servir à ça. Pas parce que forcément j'ai que ça à foutre, hein, j'ai que ça, comment dire, j'ai que de l'argent à foutre en l'air. Du coup, blé, j'ai 199, ouais bon, on va faire du blé. Blé. On va mettre aux alentours des, ouais, on va mettre 20 tonnes, ce sera déjà pas mal. Je sais pas combien il leur en faut, hein, très clairement, je ne sais pas du tout. Oui, il est marré. Voilà, appelé, voilà. 22 tonnes, ça devrait suffire normalement. Enfin, j'espère, parce que sinon les pauvres vont me ruiner, enfin bref. Du coup, on va leur donner tout ça, et puis après on verra bien ce qu'on fera, parce que j'imagine que. Enfin, s'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup, ben, tout simplement déjà, cette benne-là, je vais pas la virer. Mais elle va pas vraiment me servir, hein, très clairement, elle va pas vraiment beaucoup me servir. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Parce que oui, également, oula, pour ceux qui avaient vu dans la dernière vidéo, j'ai acheté une nouvelle benne pour le camion, de toute façon vous l'avez vu juste avant. Putain, putain, j'ai cru que j'allais taper un truc, c'était obligé, mais pas du tout au final. Enfin bref, putain, ah oui c'est vrai, du coup, ah ouais, j'avais oublié ce petit détail. Petit détail agréable. Merde. Ah bah d'accord. Ok, alors moi je m'y suis pris mais comme un pied. Ok, donc il va falloir que je me démerde pour faire demi-tour maintenant. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici en marche arrière.
Après, est-ce que je vais faire? C'est tout simplement, je vais rentrer dans la fumière. Play, et on va faire une marche arrière comme cela. Rec. À moins que ça ne se donne pas la benne. Si. Ah si, quand même. Ok, donc je sais pas si ça veut, s'ils en ont besoin de beaucoup ou pas. Ah oui, quand même. Quoi? Autant? Enfin, tu vas me dire, je sais que j'ai 84 cochons, mais merde! Ah putain, j'ai cru que ça c'était juste en orange, je me suis dit quoi, 169? Non. Ah d'accord, ok, bon bah on va garder cette benne là. On va garder cette benne là et puis on va... Ça va y aller, ça va y aller en termes de blé, d'orge, tout ça. J'ai randonné pas mal, voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour les patates... non, pas les patates et les betteraves, on va voir pour le soja, colza, etc. Soja, colza, tournesol. Qu'est-ce qu'ils vendent moins cher? Oui, je sais, je suis un crevard. Alors, colza, 1005, 1008 au plus bas et ça descend. Tournesol, on est à peu près dans les mêmes prix. Ok, donc déjà pas de soja parce que j'ai galéré à arriver aux 200 000. Et en plus de ça, ça se vend super bien. D'ailleurs, je crois que j'ai tout à les vendre comme ça, là, 3000 euros. C'est plutôt un bon prix, on va pas se le cacher. Je crois que j'ai... Ouais, je vais entamer le... Je vais faire un tournesol et colza. Le soja, j'ai pas envie de donner du soja au putain de cochon. Sachant que c'est pour rien, au final. Enfin, c'est pas que c'est pour rien, mais autant donner un truc qui est plus rentable, hein, très clairement. Appelez. J'ai limite envie de te dire, après on va aller prendre le camion et puis on va foutre... Putain, c'est vrai, le camion est encore occupé avec la flotte, là. Oh putain, je l'avais oublié, le camion. Enfin, bref. Je crois que je vais plutôt prendre le camion et la benne. Ou quoi que, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, du coup, là, on va... Non, pas de l'avoine. Ou alors, c'était de l'avoine qu'il leur fallait. Je suis déjà plus. Enfin, bref. Non, d'accord. Non, c'était pas de l'avoine. Ok, d'accord. On va partir sur du colza pour commencer. Alors, le camion. Oh, putain, le camion, il est dans la flotte. J'avais zappé. Alors, appeler. On va fermer tout ça. Voilà. D'ailleurs, un truc que je voulais dire... si vous regardez des gens, ceux qui sont avec moi sur, enfin, qui sont sur mon Discord, d'ailleurs Discord qui est dans la description, c'est vrai que je suis pas forcément présent sur Discord. C'est simplement que, bah, je dis pas que j'aime pas Discord. Ça ce serait mentir, hein, très clairement. En soi, j'aime bien Discord, etc. Mais, bah, je suis, par moment, je sais pas, j'ai des imprévus de dernière minute, comme aujourd'hui par exemple. Putain, je me suis foutu dans une merde de nouveau avec mon camion, moi. Allez, roule. Bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de me casser la tête. Il y a une touche magique qui fait CTRL I. Et puis là, ça va y aller. Pouh ! Voilà. Nickel. Parce que oui, du coup, je suis pas forcément très très présent sur Discord en ce moment, mais c'est, normalement, ça va venir. Parce que, bon, voilà. Comment dire ? J'avais contacté quelqu'un, tu vois, genre quelqu'un que... je cherchais quelqu'un pour faire avec qui je pourrais éventuellement faire des vidéos. Parce que faire des vidéos en multi, bah ça me manque un petit peu quand même, on va pas se le cacher. Passer des bons moments ensemble, etc. Enfin bref, tu vois le délire. Et oula, alors là, il faut que je me concentre vite fait. Est-ce que ça va vider? Ça va vider. C'est-à-dire, est-ce que tu vas vider, tu crois? Mais oui, ça va vider. Ok. Alors, est-ce que ça a besoin de beaucoup de flotte, cette merde, ou pas? Enfin, c'est merdier, du coup, parce qu'il y en a quand même 84. Hein. Oula, on va s'amuser. Va en falloir. Hop, bain de dio. Alors, ce sont pas des cochons pour rien. Ok, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, hein, 84 cochons, c'est pas rien, hein, 84. Ouais, 84, ouais. Je vais te dire, attends, c'est bien 84 que j'en ai pris, mais oui, c'est bien ça. C'est bien ça, donc là, je sais plus à combien de temps on était tout à l'heure, je crois qu'on était à 5-6 minutes. Donc là, on va être, ouais, on est dans autour de 10-12 minutes, par là. Ouais, je dois pas être trop loin, j'espère. Enfin bref, du coup, oui, Discord, je suis pas forcément très présent. Et je suis désolé bah, pour ceux qui sont déjà sur mon Discord, mais n'hésitez pas, ça va... n'hésitez pas quand même à y aller. Là, j'ai commencé vraiment à bah, me connecter vraiment et à essayer de jouer avec vous. Je prends pas de serveur parce que je trouve ça débile, hein, très clairement, je trouve ça débile de prendre un serveur. Sachant que tu peux très bien lancer une partie, hein, tu peux très bien prendre une partie. Et quand tu vois le prix d'un serveur, mec, c'est absurde. 200 euros pour 2 ans, enfin, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pour 2 ans, etc. Gna gna gna. Ouais, mais quand tu dois payer 200 euros de ta poche pour un truc comme ça, je peux te dire que... Normalement, tu ne le fais pas trop. Merde, mauvaise touche. Normalement, tu évites, tu vois, de faire des dépenses pareilles. Normalement. Hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, mais... Yes, ça bug, c'est génial. C'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois, moi j'ai pas envie de mettre 200 balles là-dedans, quoi. Déjà que j'ai du mal à mettre de l'argent dans un jeu, mais alors 200 balles pour un serveur qui fonctionnerait une fois sur 10.
Franchement, non, ça me tente pas. Alors du coup, ça s'est plaint? Ou ça se passe comment? Parce que ça vide plus. Non, c'est pas plein. C'est pas plein du tout même. Ah d'accord, c'est juste que ça s'est décalé, d'accord. Ok, d'accord. Alors, du coup, au niveau de la flotte, on est combien au niveau de la flotte? Oh, on est plein. Ok, donc ça, il va falloir en mettre 3 bennes, grosso merdo. Faut mettre 3 bennes de tout, j'ai l'impression. Au minimum, hein. Je parle bien évidemment du minimum. Alors, le maïs, alors ça, va falloir que je refasse, du coup. Alors, ce que je vais faire également... Appelé. Ce que je vais faire également, c'est faire beaucoup de maïs grain du coup, parce que je peux stocker jusqu'à 400 000 avec les nouveaux silos là que je vous avais montré d'ailleurs dans le dernier épisode. Merde alors. Ah merde. Ça va passer. Ah ouais, t'es sûr que tu veux pas passer? T'es sûr? Tu vas regretter ce que. Voilà. J'allais dire tu vas regretter ton choix, mais c'est moi qui allais regretter. Enfin bref, c'est passé, c'est le plus important. Voilà. Alors, là du coup va falloir que je prenne à gauche. Putain, eh, c'est trottoir, il me fait chier, mais je suis obligé de passer par sur le trottoir pour, bah, pour réussir à me prendre le virage, quoi, tout simplement. Hop là. Voilà. Alors, c'est pas du colza qu'il me faut, c'est des betteraves. Je crois que c'est la seule. Ouais, c'est bien la seule chose qu'il y a là-dedans. 200 000 litres, donc c'était plein, effectivement. Donc là, va falloir que je rachète du terrain pour faire du maïs grain, du colza et des trucs comme ça. Surtout du maïs grain, parce que ça va partir. Ça va partir à une vitesse, mais waouh, quoi, phénoménale. Enfin bref. Bon, on va repartir par là-bas, c'est pas bien grave. Parce que ça, du coup, oui, si ça part à une vitesse phénoménale comme ça va pas le faire. Et là, je suis en train de voir en bas donc, à droite, là, qu'il y a marqué Farming Simulator 17. Alors, ce gars-là, je vais le virer de mes amis sur Steam, parce que 17, non. Sachant que c'est un gars que je connais même pas, enfin bref. Alors, hop, ouais, du coup, l'idée là que j'avais avec le petit tracteur et la petite benne, c'est mort, hein, très clairement, parce que vu combien je dois dépenser à chaque fois, c'est mort. Voilà. Et ce que je crois... Voilà. Ce que je crois que... Enfin, oui, ce que je crois que je vais faire, c'est tout simplement une fois que j'ai 100 cochons, ouais, une fois que j'ai 100 cochons, je vais en jarter 20 ou des trucs comme ça. Que là, du coup, je crois que je vais aller un petit peu trop loin. Hein, bah, j'ai un petit peu exagéré. Un petit peu, pas beaucoup. Hein. J'ai un petit peu exagéré avec la quantité de cochons. Hein, 84, c'est peut-être un peu beaucoup. Je crois que je vais redescendre à 63, c'était pas mal, je vais revendre. Parce que là, bon, c'est pas que c'est un petit peu compliqué à gérer, mais si c'est pour qu'il me bouffe tout ce que j'ai littéralement, ça serait un petit peu complicado, quoi. Ah oui, d'accord. Donc il faut vraiment 3 bennes de tout partout. Ouais, du coup, bon, je vais finir la vidéo. Voilà, je vais encore donner une benne de tout. De chaque chose. Et enfin, deux de maïs encore. Et puis après, bon, on va s'arrêter là-dessus. Putain, et tu me fais chier pour ça, sérieux. Et deux bennes de maïs. Et puis après, bah, je vais revendre une remorque entière, hein, ou voire même deux, et puis descendre à 50 cochons. Parce que là, avec 84 cochons, les gars, mes stocks, ils vont prendre un sale goût dans la gueule, hein, on va pas se le cacher. Bon, après, c'est clair, c'est pour 10 jours. Mais quand même, ça fait mal au cul. Hein, ah si, je peux te l'assurer, ça fait mal au cul. Ah si. Ou alors, il faut que j'achète vraiment un gros terrain. Ouais, j'étais en train de réfléchir, il faut que j'achète un gros terrain. Mais le problème, c'est que bah, les stocks, en fait, ils arrivent vraiment pas à suivre. Ce que je pensais faire à la rigueur, c'est acheter le gros champ là qui est à côté du 11. Avance, avance, avance. Voilà, c'est acheter le gros champ qui est à côté du 11. Maïs. C'est lequel? C'est le 31. Voilà, acheter le 31 et foutre une fois totalement en maïs ou une fois totalement en blé ou une connerie du genre. Et vraiment monter les stocks à 400 000. Vraiment bah, au maximum du maximum, hein, très clairement. Parce qu'à la base, je savais pas moi que ça allait bouffer autant les cochons là-haut. C'est waouh. Je suis peut-être allé un peu fort, un petit peu peut-être, hein, et pas sûr. Enfin bref, j'espère au moins que ça va être rentable, hein, et que je fais pas des cochons pour rien, hein, on va pas se le cacher, parce que les vaches, je sais que c'est rentable, hein, parce que quand tu vois par moment 3000 euros le litre, enfin des 1000 litres, c'est-à-dire 3 euros le litre, c'est ah, déjà c'est 10 fois plus cher que dans la vraie vie, hein, voilà. Mais tu te dis, ah ouais, ça vaut le coup quand même. Sachant que du coup, sur 32 000 litres par citerne, 32 000 fois 3, ça fait, putain, je suis une merde en maths, 32 000, ça fait 96, ouais, 96 000, 96 000 euros la citerne, tu te dis, ah ouais, c'est rentable. Mais après, bon, il faut bien évidemment que le prix du lait soit bon, hein, parce que
si le prix il est mauvais, bon, là, tu peux te l'écrire sur le ventre, t'es presque 100 000 euros. Parce que là, si tu regardes le prix, il est à combien là, du lait? Le lait. Je veux voir le prix du lait, il est où? Ah, mais il est là. Ouais, il est en train de monter, donc il va peut-être. Ok. Il est en train de monter, donc peut-être qu'il va monter à 3 000. Et si, bon, bah, s'il est à 3 000, sachant que j'ai. Combien? Ouais, 56 000. Donc pas loin de deux citernes, il me manque 8 000 litres et puis j'ai deux citernes, mais ce n'est pas c'est ici, mais bien sûr que si. Enfin bref. Parce que du coup je vais avoir pas loin de deux citernes à vendre, et s'il est à 3 000, ça risque d'être plutôt rentable. Là du coup ça va me faire presque 200 000 euros en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, on va s'y reprendre, là on va se rapprocher. Tu vas arrêter de me faire de la merde. Hein. Je signe signer la direction. Enfin bref. Alors du coup, toi, enfin eux. Alors on va leur mettre encore une benne de chaque truc et puis on va s'arrêter. Ah non, il veut de la paille aussi. Bon bah on va leur donner de la paille déjà. On va déjà s'occuper de la paille. Je sais pas du tout où on donne la paille. Si c'est à l'intérieur, je suis dans la merde. Alors, moi pour la paille, c'est pas compliqué ce que je fais, c'est que je vais à la mélangeuse. La petite mélangeuse automatique ici. Voilà. Et puis bah je gratte la paille qu'il y a dedans en fait, hein, très clairement. Parce que là il y a combien? Il y a 500 000 presque d'ensilage, hein, je parle. Et vu que le machin il est à l'arrêt, du coup bon bah tout ce qu'il y a dedans bah ça part pas, hein, très clairement. Du coup il y a aux alentours des 400 000 de paille. Attendez, vous savez quoi, on peut vérifier. Alors il y a 500 000 de. Il y a combien? Ouais bon je sais pas combien il y a, il doit y avoir 470 ou un truc du genre. 373, 462 000 litres, c'est un truc de ouf, hein, c'est énorme pour de la paille. C'est marqué combien là? Ouais, bon, il est pratiquement plein quoi, vraiment en termes de ration totale mélangée. Donc franchement, ça c'est certes c'est le bonheur. Putain, mais à chaque fois je tape un truc, mais je sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas la haie, parce que je passe genre à côté, genre je passe ici, ça me tape. Enfin bref. Et tu tapes, tapes, tapes sur ce son qui te plaît. C'est pas ça les paroles, je crois, je sais plus. Enfin bref. Alors, putain, là il va falloir que je bouge le camion vite fait. Une petite marche arrière. On va éteindre le moteur parce on pense à la nature, hein, la pollution. Enfin bref. Alors, putain, si la paille, il faut que je la rentre, mec, je suis dans la merde. Je suis dans la mouise. Je parle pas de Moïse, hein, lol, MDR. Faut que j'arrête avec mes blagues. Je crois que vous en avez marre. Et également, oui, je sais pas si vous avez. Oui, vous avez certainement remarqué. Bon, il n'y a plus de rétro, tant pis. Hop, les, bon, hop, ça part. Également, j'imagine bien que vous avez remarqué. J'ai sorti. Non, j'ai cru que j'avais loupé la sortie comme un imbécile. Et également, comme vous avez pu voir, j'ai. Enfin, c'est la deuxième vidéo sur la Belgique profonde d'affilée, normalement. À moins que, bien évidemment, je mette une autre vidéo en ligne sur la Griffe France ou une corne du genre. Mais normalement, c'est la deuxième vidéo sur la BP d'affilée. Vas-y, amuse-toi, écoute. Moi, je vais reprendre mon petit John Deere. Il est là. Voilà. Du coup, là, je sais pas du tout où on la donne, la paille. Oh là là. Par contre, si c'est à l'intérieur, je suis dans la merde. Bon, écoutez, vous savez quoi? La barrière, elle s'ouvre pas pour rien. Et je suis courageux. Donc, hop, les. Au pire, si j'écrase les cochons, c'est pas bien grave. Ça fera du. Ça fera des lardons, du jambon. Ça peut être. Ça fera de tout et n'importe quoi pour ce soir. Appelé. Par contre là je vais être dans la merde pour donner la paille. Parce que du coup la benne elle se lève en plus, c'est chiant ça. Putain, mais pourquoi t'as la direction assistée toi, même marche arrière, t'es con ou t'es con? Ça c'est un truc, je trouve ça tellement mal foutu. Ouh là 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 là. Je suis dans la merde. Vraiment falloir y aller tout doucement. Étape par étape. Dès que ça tape, j'arrête. Voilà. Il va falloir. Dès que ça va taper, il va falloir que j'arrête. Parce que du coup, là, on est à combien? J'ai mis presque un tiers. Et on est. Ouais. Bon, grosso merdo, il faut une benne entière. C'est un petit peu ça qu'il faut viser. C'est une benne entière, d'accord. Voilà. Je sais pas d'ailleurs. D'ailleurs, ça. Ah ouais, putain, je viens d'avoir une idée de génie. Je me suis dit, et si l'autre benne là, la benne qu'il y a derrière le camion, c'est vu que celle-là elle pousse, genre celle du camion elle pousse, alors là, toi t'es plein ou quoi? Ah ouais, t'es plein, d'accord. Vu que la benne en fait, la benne du camion, c'est à pousse en fait, elle se lève pas. Et ben je me disais que peut-être ça pourrait être plus pratique, mais je sais pas si elle va rentrer, c'est un petit peu le défaut, hein, on va pas se le cacher.
Appeler. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore donner une veine de tout, en fait, et puis on va s'arrêter là-dessus, parce que mine de rien, ça fera déjà une bonne vidéo. Et ça fera déjà une bonne petite vidéo. Et comme ça, bon, bah, ça me permettra de changer un petit peu du train-train quotidien, j'ai envie de te dire, limite. Voilà, on va faire un petit peu de cochon, etc. Et vraiment, ce n'est pas un mensonge quand je vous dis que c'est vraiment la première fois que je fais des betteraves, des cochons. Enfin, vraiment des cochons, et que je m'y mets, j'ai pas envie de dire à fond, mais tu vois ce que je veux dire. Appelé, voilà, on met ça dans la mélangeuse, le petit reste qui peut, qui, enfin le petit bout qui reste là, le petit peu qui reste, pardon. Bon, là, je vais pas vraiment suivre la route, mais c'est pas grave. Appelé, on va passer par ici. Appelé, vraiment, putain, je suis content d'avoir fait ça, là. Je suis fier de moi, limite. Appelé, je suis limite fier de moi. Alors, appelé, non, pas de la paille, des betteraves. Nourriture pour cochon. Ah, attends. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais acheter pas mal de nourriture pour cochons, genre plein de big bags, je vais tous les vider dans la benne et je vais les stocker ici. Eh, ça serait intelligent ça. Enfin pas trop, mais oui, ce serait intelligent. Enfin bref. Voilà. Appelé. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais faire. Si un jour je suis vraiment pété de thunes et que j'ai la flemme de faire ça, hein, très clairement je le ferai. Mais il faut que je sois pété de thunes et que j'ai la flemme de le faire. Enfin bref. Appelé. Voilà. Là, on doit être à 25-26 minutes à peu près. Une connerie du genre, je sais pas exactement combien de temps on est. Ouais, punaise. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse un petit peu de cochon également. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait en vidéo. Hein. Enfin, du moins, de mémoire, j'en ai jamais fait en vidéo. Je trouve que j'en avais fait sur la live stream à l'époque. En multijoueur. Je sais plus, mais moi, personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait de cochon. Hein, en vidéo, du moins. Parce que oui, il y a eu des parties pendant lesquelles je me suis dit, ouais, bon, allez, hop, tu sais quoi, on va faire des cochons. Et bien évidemment, j'ai totalement regretté. Betterave sucrière, c'est ici. Oh, putain. En quelque sorte, je suis content parce que tu vois, tu te dis, ouais, enfin des cochons, etc. Enfin, enfin des cochons. Façon de parler, bien évidemment, parce que j'avais pas forcément hâte de faire des cochons. Mais je suis quand même content de faire un petit peu des cochons, histoire de changer, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, oh putain, fais chier. Alors là, des stocks, ils vont prendre un sale coup dans la gueule. Franchement, ça va prendre un sale coup dans la gueule. De toute façon, que ce sont des cultures qui sont pas forcément données, hein, on va pas se le cacher. Ce sont pas forcément des cultures qui sont données, quoi. Se faire... Oula. Se faire shooter, je sais pas combien la minute. Clé. Putain, chier. J'arrive même pas à passer correctement. Parce que prendre, genre tu galères à avoir de l'avoine, du colza, du tournesol, un truc comme ça, tu galères à en avoir. Et là tu te bouffes ça dans la gueule. Enfin tu donnes je sais pas combien là à chaque fois. Il faut que tu donnes presque 100 000. Donc la moitié de ton stock. Ouais. Ça va toi? Moi ça va nickel. Enfin pas trop parce que là, voilà. Et vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. C'est qu'un petit détail, voilà. Alors là du coup on va conner, on va donner de l'or. Allez hop. Voilà, on va donner de l'orge, après on va donner du colza ou du tournesol. Et on va te donner encore une benne de maïs, vu que ce sera fini pour cette vidéo. Ça fera déjà une bonne petite vidéo, mine de rien. Parce que là, on doit être aux alentours des 30 minutes de mémoire. Enfin, du moins, si mon calcul... Enfin, pas de mémoire, mais si mon calcul... mes calculs sont bons. C'est-à-dire que pas du tout. Oh putain, c'est ce camion, mec. Putain, j'ai un truc, moi, à chaque fois. Je vous dis, hein, une fois, enfin une fois... Genre, je voulais ramener les cachons. Les cachons, oui, je ramène les cachons à la ferme. Je suis allé parti chercher les cochons du ventre d'animaux là. Et puis je voulais rentrer à la ferme. Et putain, mais moi comme un imbécile, j'avais laissé le fent en plein milieu du chemin. Je l'avais zappé. Après je l'ai foutu chez les cochons. Je suis remonté dans le camion, je voulais aller vider chez les cochons. Non mais oh, je suis un intello ou je suis un intello? Moi, je fous les... à chaque fois j'oublie mon matériel et par moment je le fous dans les endroits en fait, je réfléchis pas à ce que je vais faire. Par exemple, tu vois, là, j'avais zappé, tu vois, genre le camion, je l'ai foutu là, je l'ai laissé là, tu vois, j'ai pas réfléchi à propos du fait que, bah, par la suite, ça va me déranger, quoi. Et appelé. Je suis complètement con, moi, par moment. Par moment, pas souvent. Appelé. Alors là, du coup, pour l'or, il va falloir gérer. Hop, tout ça en vue intérieure. Oh. Alors, par contre, ça va taper, ça va me faire chier. Recule. Oula. Ça fait un bruit bizarre. Play, voilà. On vide ça tranquillement. Putain, ouais.
Mais ça fait même pas 20 minutes, enfin, ça fait 20 minutes qu'ils sont là, ils sont déjà tout dégueulassés là, les cochons. Non mais oh, pas normal ça. Enfin si, ils sont des cochons, mais chut. Bref. Ouais, je vais vraiment partir en vendre après la vidéo parce que là, c'est la misère. Parce que là, du coup, blé, orge, ils sont dans le vert, ça, ils sont dans le vert. Ça et ça. Bon, ok, donc il me reste, j'ai encore donné du tournesol et puis du maïs et puis ça va être la fin de la vidéo. Putain, ce sera bien évidemment, ça va me faire chier cet arbre. Cet arbre là, c'est vraiment l'arbre qui me fait chier quoi, c'est un truc de ouf. Cet arbre là, là. Par contre, moi j'ai la porte encore ouverte. Appelé. Voilà. Vraiment cet arbre là, il me fait chier. Franchement, j'hésite vraiment à l'enlever. Juste celui-là, j'ai envie de l'enlever. Parce qu'il m'énerve pour manœuvrer avec le camion, il me dérange. Non mais c'est... Ce truc-là, il m'énerve. Cette arme-là, il m'énerve. Enfin bref. Vas-y, roule ma poule. Monte. Franchement, j'aime bien ce petit passage là en dessous, tu vois, genre en mode stylé et tout ça. J'ai vraiment dit le mot stylé. Ah merde. Ah, ok. Alors, comme les ai déjà donné, tournesol. Voilà. Tant que je donne pas de soja, moi ça me va. Parce que le soja, j'ai galéré. Hein. Franchement, je vous dis, j'ai dû faire tous les champs sauf un champ, donc le champ 5 que j'avais mis en betterave, mais je devais faire tous les champs pour pouvoir avoir aux alentours des 150 tonnes. Et je peux vous dire que j'en ai fait des champs. Parce que bah, si j'avais fait du blé sur tous les champs, et bah, je peux te dire que j'aurais sorti au moins 250 000 litres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Enfin, 250 tonnes. Ouais. Donc franchement, voilà quoi. Tu vois, c'est j'ai limite envie de te dire, c'est abusé, quoi. Tellement ça rend mal. Enfin après quand tu vois le prix, tu te dis ah bon on va faire du soja, et quand tu vois la récolte ah bon on va plus faire du soja. Simplement c'est, enfin bref, plaît. Ouais, du coup je vais aller revendre ouais, 25 cochons à peu près. On va rester aux alentours des 60 cochons pour l'instant, voire plus, je sais pas, on verra bien. J'ai pas l'intention d'en avoir trop non plus, hein, on va pas se mytho. Je crois qu'on va rester aux alentours des 50, des 50. On va rester aux alentours des 50 et puis après, bah, une fois qu'on a... Voilà, on a aux alentours des 80 cochons de nouveau, bon bah on va les revendre, on va vendre par trentaine, alors, très clairement, parce que sinon, ça bouffe plus que ce que ça vaut. Non, j'ai pas envie de foutre tout en l'air juste pour des cochons, quoi. Oui, bah attends, tu me permets, il faut que j'attende que la benne se baisse entièrement pour vider, parce que sinon ça fonctionne pas. Allez hop, c'est reparti Michel. Nickel. Non mais c'est bon, tu peux, hein. Y a plus rien dedans. Ah ça par contre, ce bug il me saoule. Genre il te met 0,10, 0%, mais par contre il te reste encore du tournesol. T'as rien dedans, mais il te reste encore du tournesol. Ça c'est un truc que je comprends pas. Franchement, c'est, je trouve ça tellement chiant, tellement fatigant. Tu sais, genre il dit qu'il y a rien dedans, mais il y a quand même un truc dedans. C'est ok. C'est comme si tu te disais ouais putain j'ai gagné 300 euros mais j'ai rien gagné, enfin j'ai rien gagné mais j'ai quand même gagné 300 euros plutôt, tu vois. C'est ok, tu es là en mode d'accord, c'est pas logique très clairement. Alors du coup là, ce qu'il me fallait encore, c'était du maïs. Voilà, c'est vrai que ça va prendre un sale coup dans la gueule, hein. Tout ça va prendre, les stocks ils vont vraiment prendre un sale coup dans la gueule. Enfin après tu vas me dire c'est une fois et puis après je vais être tranquille pendant un bon petit bout de temps, mais quand même. Quand même ça me fait mal. Ok, donc là va falloir que je refasse du maïs grain, va falloir que je refasse pas de betterave, du moins pas pour cette saison là, peut-être la saison prochaine. Va falloir que je refasse du blé, de l'orge, du colza, tournesol et maïs. Ah, ok d'accord, donc voilà, je crois que je vais acheter le gros champ 31 là-bas, l'énorme champ 31. Et puis bah, je vais le foutre en maïs ou une connerie du genre, en une seule culture. Labourer, traiter, tout ça, hein, pour vraiment avoir une bonne récolte. Et puis tout le reste, je vais les départager en deux cultures, en grand max, hein, gros max de cultures différentes. Mais comme ça, au moins, on va être tranquille pendant un bon petit bout de temps. Enfin, du moins, je vais acheter le champ 31 si je peux me l'acheter, bien évidemment. Si je peux pas l'acheter, bon, bah, mon plan il tombe à l'eau, quoi, hein, très clairement. Il fait plouf. Et vous savez pourquoi il fait plouf? Parce qu'il est waterproof et non pas waterproof. Lol. On me dit rigoler les épées. Alors, faut que j'arrête vraiment avec mes blagues de merde. Play. Voilà. Donc dès que ça tape, bah, on va éviter que d'aggraver trop la situation. Voilà. Play. C'est vrai que ça c'est un petit peu con. Je crois qu'à partir de la prochaine fois, je vais utiliser la grosse benne du camion parce que là c'est un petit peu
un petit peu embêtant, on va pas se le cacher. C'est un petit peu embêtant que bah, ça fasse ça à chaque fois, que c'est obligé de taper avant que ça fonctionne à peu près correctement. Le nickel. Donc là techniquement on va être tout bon, on va avoir fini tout ça, ça va être nickel nickel, vraiment rien à dire. Alors ça me refait le bug, bon nickel. Alors appelez, on va s'arrêter là dessus nous en tout cas. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao.